appartenir à un corps, appartenir à une famille, s'exprime, pas simplement par un sentiment vague, mais par des effets concrets. Comment mon cœur bat quand il s'agit de ma famille religieuse? Pour parler des droits et devoirs des membres d'une famille religieuse, nous pouvons nous référer à la famille dans le droit romain, qui est une source de droit importante pour le droit canonique. Le personnage central dans la famille romaine était le pater familias. Et au sein de la famille, il y a les filii familias, qui sont, si vous voulez, les enfants et d'autres membres. Ils étaient des personnes alienes iure subjecte, c'est-à-dire des sujets soumis au droit. Ces enfants étaient sous la patria potestas, c'est-à-dire sous la protection du pater familias. Ces enfants ne pouvaient avoir de patrimoine propre, c'est-à-dire être propriétaires. Mais cependant, le pater familias pouvait attribuer au filius familias un pelux, un peculium. Ceci consistait en certains biens que le fils de la famille pouvait administrer, tandis que le père demeurait le propriétaire. Le pater familias demeurait le propriétaire. Le pater familias avait l'obligation de prendre soin des filii familias dans tous les aspects de la vie. N'est-ce pas? Voilà en quelque sorte, voilà par analogie, l'implication juridique ou alors canonique de l'appartenance à une famille religieuse.